Le salon de thé Les Chapotins, c'est un espace bien-être avec des chats. Les chats vivent ici, on peut donc interagir avec eux. Le but, c'est vraiment de se détendre à travers donc, le salon de thé, la musique d'ambiance. L'espace bien-être, donc on a des cabines de soins, on peut profiter d'un massage seul ou en duo, avec un lit également aux pierres de jade. Et on propose différentes activités, donc autant pour les enfants que pour les adultes. Dans Café Broc, j'ai voulu mettre tout ce qui compte pour moi, tout ce qui est important, donc redonner une vie aux objets, éviter le gaspillage. Donc l'idée, c'est d'ouvrir un salon thé où tout est à vendre. Chaque objet est un objet de brocante que j'ai chiné, que j'ai placé et organisé pour accueillir ma clientèle. Donc il peut repartir avec sa chaise, sa tasse, le luminaire qu'il a au-dessus de la tête, enfin tout est emporté. Taylor est une boutique de costumes et de chemises sur mesure et demi-mesure. Nous habillons principalement les futurs mariés et les hommes d'affaires et aussi les dandys chics. Avec le client, nous choisissons ensemble le tissu, la doublure, les boutons, les poches. La tenue est entièrement personnalisable. Nous proposons aussi du prêt-à-porter qui est déjà confectionné et que je mets moi-même aux mesures du client. Rêve d'extérieur est une enseigne dédiée au mobilier in et outdoor et à la décoration. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre l'intérieur et l'extérieur et la sélection des produits permet à nos clients aussi bien d'agencer leur terrasse et leur balcon que leur intérieur. Nous attachons énormément d'importance sur l'accompagnement, l'écoute et le conseil. Nous nous déplaçons chez nos clients et c'est ce qui fait notre force. L'atelier des bocaux, c'est un traiteur ambulant où je cuisine chaque jour des produits frais au rythme des saisons qui sont ensuite mis en bocal. Ces bocaux sont consignés pour un respect de l'environnement. Pour moi, il est important de cuisiner chaque jour des produits frais qui proviennent de producteurs locaux. Vous pouvez me trouver pratiquement tous les jours sur des marchés, en Chautagne, à Aix-les-Bains et également dans des entreprises.